hebdomadaire d'information et d'analyse sportive. Nous avons notre rendez-vous tout le lundi à pareille heure et voilà pourquoi je me suis présentée auprès de vous pour pouvoir analyser certains faits qui ont marqué l'actualité sportive en République démocratique du Congo durant la semaine qui vient de s'achever. Nous sommes lundi, comme je le disais il y a peu de temps, nous allons parler bien entendu de la Ligue des Champions. Vous savez que la SV Club et le Tout-Puissant Mazembe étaient les deux clubs qui nous ont représentés aux compétitions africaines interclub. On a commencé par VEC Club le vendredi et puis hier dimanche avec le tout-puissant Mazembe. Il en sera question dans notre émission de ce soir. Effectivement, chers téléspectateurs, puisque c'est un magazine hebdomadaire d'information et d'analyse sportive, dans l'aspect analyse, nous allons essayer en fait de comprendre le pourquoi du blocage au niveau du play-off de la République démocratique du Congo. Nous avons tous été là pour pouvoir suivre le grand rendez-vous de lundi passé entre les Darin Club Motema Pimbe et le Football Club Renaissance. Ce match n'a pas pu avoir lieu. La raison primordiale, vous l'avez connue, on a parlé de drapelets qui ont été volés, mais en fait la raison officieuse, c'est bien sûr la croyance à outrance au fétiche par les clubs de football de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi moi dans cette émission, puisque je vous aime beaucoup, j'aimerais qu'on en parle. C'est un problème psychologique qui est en train de gangréner en fait le football de la République démocratique du Congo. Pourquoi cela? Les réponses, vous les aurez peut-être dans quelques minutes à travers notre émission, parce que notre invité, c'est un psychologue, il s'appelle Monsieur Kamba, c'est un professeur d'université. Avec lui, nous allons essayer de débattre de ces sujets criants, parce que ça fait la ronde et le tour du monde. Tout le monde en a parlé. Nous avons même essayé d'interroger YouTube qui ne reconnaît pas avoir vu une image où dans un stade, les supporters ont volé le drapelet des tiges des touches dans un terrain de football. On parlera également du comité olympique congolais. Vous savez que les tractations continuent. Il y a des candidats qui se sont déjà prononcés, notamment Amos Mbayo. Et dans cette émission de ce soir, nous aurons un soutien de Amos Mbayo. À ce qui paraît, par rapport à ce que nous avons dit, nous ne connaissons pas l'homme. L'homme qui est candidat et qui est président sortant de ce comité exécutif du comité olympique congolais. Il en sera donc question tout à l'heure avec Pichu Loboko, comme je le disais tantôt, un soutien d'Amos Mbayo. Mais pour bien commencer notre émission, on commence par aller condenser de l'actualité. Et comme vous le savez mieux que moi, le vendredi dernier, nous avons tous été déçus, nous tous, c'est-à-dire tous les Congolais, parce que nous avions nos yeux braqués sur la Tunisie où s'est déroulée la rencontre de la première journée de la phase des poules de la Ligue des Champions. Et la République démocratique du Congo est représentée à ses joutes par l'association sportive VEC Club qui a courbé les chines face à l'Espérance de Tunis, score final 3-1, et dire que c'est la SV Club qui a commencé à marquer. 3-1, c'est le score qui a sanctionné les matchs de la première journée de la phase des poules de la Ligue des Champions, opposant l'Espérance de Tunis à la SV Club de Kinshasa. Les Dauphins Noirs sont les premiers à ouvrir la marque par à tout bas, puis les festivals de la principale formation tunisienne se déclenchent avec en prime 3 marqués, dont un pénalty. Mauvaise entame pour ce club qui a déjà du mal à bien s'en sortir du très compétitif play-off de la Lina Foot cette saison. À son compteur, plusieurs matchs nuls pour 2 victoires seulement et 9 points. En attendant les rendez-vous avec l'usurpateur le plus chanceux, nommant Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, il faut sérieusement affûter les armes pour éviter de décourager les fanatiques qui jusque-là s'arment de beaucoup de patience. Il est impératif à ce challenge de la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football d'arracher le maximum de points à domicile. Classée deuxième compétition africaine, la Coupe de la CAF accueille à bras ouverts les corbeaux des tout-puissants Mazembe qui ont respecté les principes d'objectif en battant ce dimanche à Lubumbashi les clubs gabonais de Mounana sur la marque de 2-0, dont le premier est l'œuvre de celui qui réécrit son histoire, Mputu Mabi Trésor. But, certes anodin, mais efficace pour un club qui se recherche depuis l'avènement d'un de ses anciens joueurs, devenu le principal du staff technique du club, 10 ans après les premiers Congolais à l'amorce de son professionnalisme, Santos Mutubile. Tranquillement, les corbeaux prennent la marque et les prochains jours seront sans doute meilleurs pour eux. Voici les autres résultats enregistrés lors de cette première journée de la phase des poules dans les deux compétitions. Avec 34 buts, 34 buts, en direction de Nizar Hab. Aïd al-Kouram à travers Nizar.
نزار يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء والرأسية الكرة من جانب كاريكا كاريكا يحاول تمريرة والتسديدة وين ولكن تمر ما زالت حتى رفيق ونادر نبدأ بالهدف الأول رفيق هدف فيها كرة ثابتة جيدة وقطع خاصة قطع الكرة لشافعي وتسديد الهدف الأول أندريا الثاني في توقيت محرج نادر يعني في الدقيقة الأخيرة جماهيره وعشاقه ومحبيه في محاولة الوصول للهدف الأول اللي تأخر الحقيقة للدقيقة 56 العب يا زمالك هو الشعار أدي أمامنا انطلاقة ومحاولة وأدي الاستلام على طول من جانب شيكابالا عرضية حلوة الهدف الأول Alors, chers téléspectateurs, puisque notre sujet concerne bien sûr ce classico raté entre les Dari Club Motema Pimbi et les Football Club Renaissance, bien sûr, avec les sanctions qui ont suivi, émanant bien sûr du comité sportif de la Ligue nationale de football, je voulais suivre ces sujets. Les FC Renaissance perd le match contre DSMP par forfait et sommet de payer 7 500 $ d'amende. Pour le Dari Club Motema Pimbi, son joueur Kazadi Dizadio et son intendant sont suspendus. Le club est donc sommé de payer 7 500 $ américains pour violation de la zone neutre. Telle est la décision du comité sportif de la Ligue à foot après confrontation de tous les rapports des officiels commis à ces rendez-vous manqués. Pour rappel, ce match de la 7e journée n'a pas pu avoir lieu à cause du vol des trapelets et même des tiges de touche de la délimitation du terrain par les supporters des FC Renaissance tel que confirmé par les responsables du comité de la Ligue à foot. Les 15 minutes d'attente accordées par l'arbitre central se sont transformées en 45 minutes sans succès, si ce n'est que cette tige remise à 2 minutes de la fin de l'ultimatum. Situation déplorable qui du coup fait perdre 3 points précieux au Banafibo, supposé concurrent depuis le démarrage de ces playoffs, contrairement à d'autres clubs dits grands. Contre Don Bosco, en match remis, la pression monte. Il faut se racheter si on veut maintenir les suspenses. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Prière d'ajuster votre micro. Ça permettra aux téléspectateurs de suivre ce que vous dites. Alors, dites-nous exactement, selon vous, parce que vous avez été également un témoin de ces grands rendez-vous manqués. Qu'est-ce qui a milité en faveur du non-lieu de ces grands rendez-vous au stade des Martyrs de la Pentecôte? Le problème, c'est quoi? Nous sommes arrivés tous au stade avec un intérêt croissant de voir le match tant attendu, parce que c'est un duel entre une même famille qui a été séparée. Les arbitres étaient là, tout le monde était là, mais à notre grande surprise, le match n'a pas eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé de louche. Exactement. Les drapelets ont été emportés par les fanatiques, soi-disant des Renaissances, soi-disant des Dari Club Motema Pimbi, et on ne comprend rien. Mais ce que moi je veux dire est que, vous savez, le grand problème c'est quoi? C'est-à-dire que il y a eu des deux côtés la peur. La peur de perdre le match. Exactement. Que ce soit chez Renaissance, tout comme chez Dari Club Motema Pimbi, il y a eu la peur. La peur, c'est une émotion. La peur, c'est quelque chose qui affecte le mental et qui paralyse l'esprit même de l'athlète. Oui, mais parce que cet événement-là a été suivi dans le monde entier. Vous savez que la Ligue à foot, où les play-offs sont retransmis, les matchs et les play-offs sont retransmis en direct sur la chaîne nationale. Donc il y a beaucoup de gens qui suivent, et tout ce monde-là se sont rendus compte finalement que les potentiels adversaires qu'ils auront ont toujours peur de quelque chose. Voilà. Une petite fantaisie suffit pour déclencher une déconcentration. Voilà, justement, il y a eu la peur de perdre les matchs. Vous savez, lorsque les joueurs sont venus au stade, chacun avait une ambition de gagner. Parce que quand on va jouer un match, bien sûr, quand on dit que dans un match de football, il y a trois résultats. Oui. Mais pour une équipe qui va pour jouer un match,
En tout cas, pas facile d'accepter notre résultat. Voilà. Oui, parce que quand on prépare un match, après avoir dépensé beaucoup d'argent, on prépare un match, ce n'est pas pour aller faire un nil, ce n'est pas pour aller perdre ce match. Mais c'est à la fin qu'on peut constater qu'il y a un match nil ou il y a une défaite. Mais quand on vient pour jouer, on n'a pas en tête l'idée de la défaite. Donc, il y a eu de tous les deux côtés la paire. C'est cette paire-là qui était à la base de ces comportements que nous avons vus au stade. Quand ils ont vu Kazadi en train, je crois, s'il parlait, s'il faisait quoi, chacun de ses côtés de Renaissance a dit non, non, il faut arracher les drapelés là parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Mais c'est que moi, je sais. Puisqu'il s'est appuyé, c'est qu'il doit avoir communiqué une certaine puissance qui va conditionner la victoire de son club. C'est la croyance que Kazadi a fait quelque chose et ce qu'il a fait a dû faire paniquer de l'autre côté des Renaissances. Mais qu'est-ce qui fait quand même que le footballeur congolais n'ait pas une psychologie forte ou, comme on le dit, n'ait pas le mental au point? Madame, vous soulevez encore un très grand problème, le problème de la préparation mentale. C'est ce qui manque dans nos clubs. Vous savez, le match de football, c'est quelque chose qui doit se préparer. C'est une compétition. Mais les joueurs qui doivent jouer ces matchs doivent être préparés. Vous savez, la préparation psychologique n'a pas commencé aujourd'hui. La préparation psychologique a commencé au ciel. Lorsque Dieu cherchait qui doit aller sur la terre pour sauver l'humanité, personne. Et il a compris qu'il fallait chercher quelqu'un, il fallait le préparer psychologiquement. Et Jésus qui a été préparé, Jésus qui a accepté pour venir sauver l'humanité, a été préparé. Parce que Jésus, lorsqu'il a vu son film en termes diapositives, comment il allait être tué, comment il allait être abattu, Jésus a dit, évite-moi. Comment il a dit, enlève-moi cette coupe. Mais s'il l'acceptait, il acceptait pourquoi? Parce qu'il a été préparé psychologiquement. Aujourd'hui, on est en train de parler de la remontada. Et puis, certains de mes frères du Kassa, ils disent la remontada. Mais une chose est vraie, c'est que c'est un psychologue qui a sorti ça pour la toute première fois. Voilà. C'est un psychologue qui a dit à une équipe que voilà, vous avez la possibilité de remonter en faisant ceci, en faisant cela. Et ce sont des miracles. Je vais en arriver, madame. Un joueur préparé psychologiquement est double. La fonction d'un psychologue ou la préparation psychologique fait en sorte que les joueurs deviennent très forts sur le plan mental. Exactement. C'est-à-dire qu'ils comprennent que je vais pour gagner. Mm-hmm. Parce que dans un match, il y a un objectif. Lorsque le joueur sait qu'il y a un objectif, il doit se concentrer, parce qu'on doit se concentrer sur l'objectif. Et c'est donné au maximum. On doit se concentrer sur l'objectif et faire en sorte que l'objectif soit imprimé dans le subconscient. Et en ce moment-là, le joueur sera à mesure de gagner le match. Mais donc, au Congo ou en Afrique, il y a un problème. Donc, c'est-à-dire, on ne prépare pas le mental des joueurs. Regardez, j'ai amené ici quelques livres. Comment marquer un but? Comment marquer un but? Qu'est-ce que l'auteur de ce livre dit? Entre deux joueurs, physiquement et techniquement très forts, la seule différence se joue au niveau mental. Mm-hmm. L'auteur dit qu'il y a toute une dimension psychologique qu'il faut tenir compte dans un match de foot. Exact. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsque les équipes se trouvent sur le terrain, les joueurs doivent être préparés mentalement. Il y a la loi, il y a des lois qu'on appelle les lois aérodynamiques qui jouent sur la vitesse et l'influence du ballon. Il y a toute une nourriture qu'on doit donner aux joueurs pour les préparer lors des compétitions. Mais il y a aussi la trajectoire idéale d'un coup franc, d'un pénalty ou d'un corner. Ça, c'est sur le plan technique. Mais quelles sont les méthodes psychologiques qui peuvent galvaniser le mental des joueurs? C'est là où les gens doivent comprendre que c'est ça le travail qu'il faut faire en RDC, c'est ça le travail qu'il faut faire en Afrique. Parce que moi, je me souviens, en fait, nous avons eu l'occasion de participer aux États généraux des sports qui ont été organisés en 2009, ici à Kinshasa, c'était au centre Nganda. Et au cours de ces assises, en fait, il a été demandé à ce qu'il y ait quand même des préparateurs psychologiques pour chaque club. Mais finalement, j'ai eu l'occasion d'assister à une assemblée générale ordinaire d'un club où on était en train de tabler, en fait, sur un certain nombre de candidats et pour certains postes également. Oui. Il y a des préparateurs psychologiques. Mais dans ces clubs-là, les préparateurs psychologiques n'ont pas de nom. Il n'y a pas de nom. Donc, ça veut dire, dans notre entendement congolais, un préparateur psychologique équivaut à un féticheur. C'est pourquoi on n'identifie pas un préparateur psychologique. Tous les clubs
ont ces mêmes modèles-là, mais en tout cas, le préparateur psychologique n'a pas de nom officiel. Voilà. Le terme préparateur psychologique, c'est un terme qui est utilisé dans le football congolais, dans le sport congolais, à tour et à travers. Mm-hmm. Vous savez, être préparateur psychologique, d'abord, équivaut à quelqu'un qui a étudié, qui a fait la psychologie, mm-hmm. qui a un bagage intellectuel, un background en préparation mentale, en psychologie du sport. Mm-hmm. Moi qui vous parle, je fais des études d'orientation scolaire professionnelle et j'ai doublé ces études avec un apport psychologique, c'est-à-dire je fais la psychologie du sport mm-hmm. et au moment où je vous parle, je prépare une thèse dans ce domaine de psychologie du sport. Ah, et est-ce que vous mettez ça à la disposition du grand public? Je mets à la disposition. Le football a besoin, le football congolais, je voulais dire, oui. a besoin quand même de préparateurs psychologiques. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de contacter nos amis qui sont au niveau de la FECOFA pour leur en parler de l'importance d'avoir un psychologue dans un club? J'en ai déjà parlé moi-même. Est-ce qu'il y a moyen quand même de constituer un dossier justement, avec des explications plausibles pour permettre à la FECOFA de comprendre l'importance d'un psychologue et dans un club et dans les équipes nationales de football? Parce que vraiment là, il y a croyance à outrance. Parfois, on interdit aux femmes d'accéder au vestiaire avant, bien sûr, un match. Je ne sais pour quelle raison. Est-ce que le ballon a un sexe ou je ne sais pas bon. Quelle est la raison? Ce sont des croyances. Je vais arriver. Mmh. Donnez-moi une minute. Vous avez souffert. Vous avez soulevé un problème gigantesque. Mmh. pour lesquels il faut qu'on en parle. Oui. Donnez-moi le temps. Ne me donne pas 2 minutes parce que je n'ai pas encore terminé. Voilà un, petit que j'ai. Voilà un petit livre là. Ça porte sur la psychologie du sport, rôle d'un psychologue, un préparateur mental au sein d'une équipe nationale Léopard de la RD Congo, en parenthèse, bien sûr, réflexion cartésienne sur la renaissance d'un état d'esprit. Voilà, le livre est là. Allez-y, voilà. Vous avez 3 minutes. Un petit livre que j'ai publié pour montrer aux gens que dans notre pays, il faut l'apport de la psychologie, mm-hmm. l'apport de la préparation mentale. Il faut le coaching mental. Le coaching mental, il y a tout ce qu'on appelle l'entraînement mental. Exactement. L'entraînement sans douleur, sans joueur. Mm-hmm. Cet entraînement s'est fait avec les joueurs mm-hmm. pour remonter leur morale. Exactement. Vous avez parlé du remontada. Remontada, c'est quoi? C'est le mental. Oui. C'est-à-dire qu'il faut conditionner les joueurs pour leur dire que voilà, vous devez gagner le match mm-hmm. et préparer leur mental pour arriver à gagner le match. Mm-hmm. Au stade, quel est le comportement qu'il faut avoir au stade? Conduite du joueur. Le joueur qui doit jouer un match, mm-hmm. il doit se comporter comment? Mm-hmm. Hier, on a vu Bangala obtenir un carton rouge. Mm-hmm. Il y a beaucoup de joueurs qui en obtiennent. Mais qu'est-ce qui se passe puisqu'ils ne savent pas comment se comporter dans les stades pour pouvoir atteindre les objectifs. Il y a les capacités techniques et physiques. Donc, l'équipe doit avoir une capacité technique et physique. Les joueurs, de la même manière. Mais il faut arriver au niveau de la croyance. C'est ici où les choses ne marchent pas. C'est ici où il y a un problème. Voilà. Les gens pensent beaucoup aux fétiches. Alors, ceux qui disent fétiches, moi je dis pensée positive. Okay. Donc, les pensées positives, c'est toute une arme psychologique. C'est quelqu'un qui se dit, moi je dois gagner le match. Il y a des méthodes qu'on appelle méthodes Coué. Il y a les méthodes qu'on appelle méthodes psycho-sophro-acceptation progressive. Moi-même, j'ai inventé une méthode que j'appelle méthode psycho-cybernétique. C'est-à-dire... La méthode psycho-cybernétique, c'est quoi? C'est-à-dire que le cerveau d'un joueur est comme un ordinateur. Mm-hmm. Dans le cerveau du joueur, il y a beaucoup de matchs qu'il a déjà joué. Il suffit de cliquer sur un des matchs auxquels il a joué et auquel il avait des succès pour le faire revenir ses matchs dans sa tête. Et ça, c'est une méthode qui n'échoue pas. Lorsqu'on fait appel à cette méthode, on a toujours gagné les matchs suivants. On va approcher bientôt les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mm-hmm. Mais on a vu comment la Tunisie joue. C'est une machine. Mais si on ne prépare pas les joueurs psychologiquement, on se contente seulement de la technique, du tactique et du physique. Je crois que ça sera... On n'ira pas très loin, donc il faudra absolument faire appel à un préparateur psychologique. Il faut en avoir même 2. Mm-hmm. Dans à la limite, dans grands clairs. On peut en trouver 2. C'est très important, oui. Voilà. Aujourd'hui, Imana, Renaissance, V-Club, Mazembe, ils doivent obligatoirement avoir des préparateurs psychologiques. C'est très important. Quand je parle de préparateurs psychologiques, des types scientifiques, mm-hmm. des types scientifiques qui reposent leurs... Pas du type mystique. Je sais que dans le football, cette dimension-là existe toujours. Ouais. Donc, le surnaturel dans les sports existe. Ouais. Parce que j'ai déjà vu un film
de préparation psychologique de Barcelone, avec le joueur Messi, avec Cristiano. Mais je vous dis qu'il y a au-delà du physique, des techniques et du mental, il y a aussi le surnaturel. Voilà. Nous allons devoir convier nos téléspectateurs à découvrir un club. Il s'agit de l'AS Maline de Barumbu. C'est un club de 3e division, mais en tout cas, qui se présente comme un des grands clubs futurs de la République démocratique du Congo. Nous avons été le vendredi dernier, effectivement, au terrain, je ne sais pas, au Cal. Hein? Au Cal, c'est l'ancien terrain, hein? Non, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ok, au terrain auquel de la RTNC sur avenue Kabinda, nous étions allés assister à une rencontre de la 25e journée de la Ligue 3, et bien sûr, de football de la République démocratique du Congo. Et là, qu'est-ce que nous avons découvert? Ces matchs-là s'est soldé sur un score nul et vierge. Nul, de 1-0, mais un match plaisant sur un terrain zéloté, comme on l'a dit. Mais en tout cas, nous avons admiré, nous avons apprécié. Voilà pourquoi nous allons vous faire découvrir ces clubs qui ont les allures de grands clubs de la République démocratique du Congo. Le FC Maline de Barumbu, club créé en 2016 par son président tuteur Jean-Paul Kello Lézy, affiche ses ambitions s'appuyant sur les réalités du terrain. À seulement 6 mois de prestations en 3e division de Kinshasa Kilimani, il fait parler de lui dans le milieu footballistique. 3e, classé après 25 journées avec 45 points, ces nouveau-nés de Barumbu bouleversent sans froid aux yeux les dogmes établis. Et pourtant, tous ces sociétaires n'avaient jamais joué dans un club organisé. Le vendredi 13 mai dernier, les FC Maline de Barumbu affrontaient les premiers de sa circonscription, l'AS Fohunk, au terrain Okal sur l'avenue Kabinda à Lingwala. Ces matchs, plaisants et pleins de rebondissements, s'est soldé sur un score de parité d'un but partout. Les protégés du coach Lutete Vumbi Godé, dit Aliando Ringo, ont été les premiers à marquer sur pénalty. Et dans le cafouillage, après un corner bien exécuté, l'AS Fohunk égalisera. Le score restera ainsi inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Les FC Malines s'expriment sur 3 terrains mis à disposition par l'entente, mais à chaque prestation, il laisse des traces par sa présence et la propriété qu'on reconnaît au club des divisions supérieures. À 5 journées de la fin de la saison, Charlie Messot y croit fermement. Monsieur Pichou Loboko, comme je vous le disais au sommaire de cette émission, il est un soutien à Amos Mbayo, qui est président sortant du COC et candidat président au prochain mandat. Avec lui, nous allons essayer de débattre parce qu'en fait, il semble que nous avons certaines informations fausses sur l'homme. Et lui, puisqu'il le connaît mieux, il va devoir éclairer notre lanterne sur un certain nombre de sujets. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Pichou, ça va? Ça va bien. Et l'homme en question est là. Mais je crois qu'avec vous, nous allons essayer d'aborder les deux aspects. L'autre fois, nous avons parlé en français. Et comme toujours, donc, M. Kamba a essayé un tout petit peu de mettre seulement du sel dans cette nourriture qui était déjà salée. Bon, ben, les téléspectateurs ont dit Mazelo Barapé Lingalo et Barangote. Non, moi, je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, mais seulement. J'ai passé l'éclair de mon temps à parler plus français que Lingala. Donc, c'est normal. J'ai commencé ce travail trop jeune et l'émission n'était pas bilingue. C'était une émission en français. Voilà pourquoi, donc, je me suis accommodée. Et aujourd'hui, ça devient un défaut. On dirait que je ne suis pas une quinoise, mais en tout cas. Moi aussi, je dois quand même bien parler lingala, mais j'ai du mal à terminer une phrase en lingala. J'ai vraiment du mal. Mais cela ne m'empêche pas. Aujourd'hui, je vais aider nos téléspectateurs parce que nous en avons déjà parlé en français. Monsieur Pichou, encore une fois de plus, merci d'avoir été avec nous et surtout d'avoir pris le courage de venir défendre un homme qu'on veut abattre, un homme qu'on veut chasser du comité olympique parce qu'il ne vient jamais, jamais disponible. On a retenu un certain nombre de mots sur lui. Nani Touloubaron, la lingala, ma bébé, qui va bien, qui va bien, qui va bien, qui va bien, à s'occuper du comité olympique. Yo et bien, Nandirini. T'es bon, Naibi est un chef d'abord. Pour mon ébisson, tout en fédération, j'ai dit, donc, mouton, chapeauté, bisou, tout en a isaïe. Donc c'est ça, naïbi est bon parce que surtout ça va. J'ai donc opéré là, là. Non. J'ai deux là par rapport à clic ou anaga ou ya tiki la ouana. Des basala qui j'ai deux là. Mais j'ai deux là l'été. Taïkwondo il y a bien le mouton. T'es promis, Nandimi. T'es. Gandé na le kara na TV boi na lobara makamba lukutate. Baoli a biso par rapport ya basorti na bangoza ebélé. Mbongo ya l'état bangonde baoli yango. Alors biso tu voyage à kanaba frère ma poche. Ou, sauf que frère ma poche n'a bisoté, tu as aussi un rabango, baton ami baloyé, pas secrétaire, il y a comité olympique, moi bien mi balé, bokei. Mais bango, baza la capacité à voyager à 30 personnes parce que bon, à l'état, bango, quand tu 600. Ah,
Ah oui. Non, puis j'étais pour ça. Mais moi, je t'ai dit la vérité. Mais non, non, le bonheur vérité. Non, le bonheur vérité, sur l'éloge de la ligue. Mais pourquoi il n'y a pas de l'éloge de la ligue? Moi, qui sais, en gros, ils ont l'état, moi, qui sais. Impossible, impossible, les timou qui les koufa. Kouluna, bon, ce que tu as dit, l'éloge de la ligue, ça, la mabou, ils ont pas de jidoka. Ou bah, quand on a été vers la jidoka, t'as mon quasate. Attends, j'ai banité, mais quand même, moi. Non, 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 non. Par contre, par contre. Ceux qui ont joué à la subdite à l'état l'air Francis à Zalaki. Mais Bano Moussousso, parfois, Barou Lukarosa, la Koulouna, Barou Salon, parce que Aïbi Kessoga a voyagé, a eu moins médaille à Zanamoalar, et puis en Afrique, les fonctionnements naïe, moi, bon, on a eu ça, mon boulot par rapport à quoi. Mais Lélo, bon, ce que le bidage de l'Essa Koulouna, ok, on a dit, mais bon, ça Koulouna, t'es pour Nani, petit à ça l'entraîne, mais belé, aboundité. Il y a au filé, comme il y a un débordement, donc ça a coûté l'occasion. Mais, or, l'État, bon, on a eu Ezawana Pona Bissot. Mais les lieux communs à quatre fédérations. Mais où on a les amis, on a Moutaza en tête à comité olympique et ça, et ça président, où ils osent prétendre que à ça président à Bino. Il y a Moutaza à Moutou, il y a Moutoufala qui est négocié pour que Batia Rapé Bino. Bon, de toutes les façons, Omoni Bazapé Batou, Koulela Nabiso, Bayoka Omoni Mbalo, tout ça qui est élection, Moutaza président de la fédération à Jidou et à Domakobo. Alors, pour l'équipement Nabiso et Yaye Komawa, c'est président Mbayonde à Tchébiso Poua. Donc ça veut dire au monique à se retrouver péqué basala qui paye moi bérer bazabatou bazabatou quand on les quand tu fais une boîte la boîte à flair sur basala qui m'a bu basala qui m'a bé exactement basali malam basali malam mais il y a batou au bazo linga sous basala sous ba président comité olympique ou anawana bisto on dit mangote parce que jido le coup fapon abango bisou foukatoua roule la bango pourquoi pe bango pas rouler la bisou est-ce que mon allait fou zaraï bango. Allez-y comprendre vraiment. L'éloge de commune en Kaboué. Mais moi, je regrette. Mais peut-être vous avez ma moto, la bino pour vous. Donc moi, je me souviens encore il y a 10 ans. Bon, on va dire ça. Il sortit à 2 heures du matin dans le stade de ma martyre. Bah, 2 heures. Bon, l'éloge est silandé. Ah, l'éloge est silandé. L'athlète Karawana. Ok, l'éloge est silandé. Ils ont ma wamingi dans Mboka Oyo. Mboka Oyo bateau, bah, on s'en a comme ma maman. Bango, bah, on s'en a gaga. Bah, on s'en a freiné. Sport, mogota par football. Dans Mboka Oyo. Oui, salaka makambo, j'ai deux salaka. J'ai l'autre bout un mois, compétition un mois, janvier, tina fin février, plein à plein. Dans un monde, je que le résultat est dangereux, mais tellement, tous les gens sont délaissés, bon, l'État, tous ont raté, tous les gens sont poités, et ils ont commis. Au moins, le long de tout, les Kaboué, ils sont pas si face à la candidat à la Azali à Mons Mbayo. Ah bon, à la Kibidonine. Té, à la Kibisoté. Vous avez fait la compte à la Kassio? Non, 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 Nande yenin? Te, mutazate. Non, non, non. Mutazate. Ugo cha frère, ugo cha pwa na vie à mutu. Te, mutazala bandisyon ae. Parce que le tingande na zabo, je me dis toujours que je suis ministrable. Ouais. Et pour l'instant, non, il y a intéressé nga te. Bon, nga na. D'ici 10 ans, d'ici 15 ans. Yoko intéressé nga sou. Là, ça m'engage que moi, par rapport ya, berer moussous ya salaki, parfois comprendre en haut. Parce que nga na olobango bou na TV, président Monspe a salaki berer makasi ya kokanisaki, bato ya tiki la birouwa na baza batou na e. Allez, le skota la place tokomi. Alors, heureusement, ma bêtise, ma sassi m'a confité. Oh, tu vois, ah, oui. Et là, il y a la fille qui a confité. Tu as confité. Il y a des gens qui ont été en train de faire des choses. Il y a des gens qui ont peut-être bien placé, mais il y a des gens qui ont été en train de faire des choses. Tu vois, selon Binonde Bozoloba, Bisto Lobika, qui a été en élection, moi, dans Ipso, pour ton information. Bisto, tu as voté. Bisto, tu as voté. Mais comment est-ce que tu as dit que le président Abisso, quand tu as dit que tu as dit que tu Mbe na olo babwe, obi soto olo babwe, yangwane ya osalati. E pi a yebi ke fwa bote, a vote ka amos mbayo. Pwe me prezina bino azana ba frondeur, ba tunyo so baza, o ba yaki ko bimi sa makamunyo so ebendi ma solo mula, e prezina bino pazan akati. Me oui, par rapport ba mema ba ngona riyo awa, ba lali sa elibanda, ya konsesyo ya nani. Mbe nderye mwoto, nga wala pe elo kwane selanga pasi mwoto, ba imagine vreman responsable bongo vreman. Eh? Ba liya e bien. Nyo so tu wana. On a ba tem iti, me na tu présent mons mtatika couloir oyo parce que yemo ko soki azalaki anga accepté makamona ti tant que na nous pasteur et tant que mbongo ne kendeli na comité olympique wana eza ya l'état donc ça veut dire elo onine ko sala que yo o soutenir yebongo tant que to yebi présent na bino atala ba jidoka na jeux olympiques ya Rio na télévision a kota stade te akosa te alobate parce que batunyo so ba kongolo bazala kuna ba mona ete ba mona na stade président Abino aya na stade président même makou a kota te atala te atala ona TV mais par rapport à ce qu'on tala ba makambo boye vraiment
l'État a wayebi ke délégation à judo est représentée par son président. Bakéi basali makambo basali wana. Est-ce que c'est normal? Est-ce que judoka obunda na morale ya bien? Ni sont dans le photo content puisque le gazolo ba makambo. Ni sont au compté. Au monde biso lelo na renaissance. Ba joueur ba joueur nzela mokuna patron na bango avec mokuna. Il faut pas gagner avec l'équipe Nyoso pour voir que le patron soit au coup de son unité. Mais il y a un peu de Najido. L'air beau, le président Nabiso, il y a un peu de la Moutoumoro Pamba. Méchant, même pas. Nathalie Kake, Batouana, Basola Pé Bienté. Mais le Mouni, Kote à Taekwondo, Bali Kolo, par rapport à la sortie, Jidoka, Azuaka est là par rapport à la sortie. Ma qualification, il y a la sortie. Il y a la Congoté. Il y a partout. Mais les lots, taekwondo, toko wanga na ngote. En tout cas, Batouana, Basali Moussa na bango kitoko. Ils appellent bien pour la Lokoumou Mboka. Oui, Basali Moussa na bango kitoko par rapport au Bazozo à Mongo à l'État. Et les lots, le résultat, et Zozala. Oui, c'est ça. Bazozo à Mongo à l'État. Oui, c'est ça. Tokabola, on a un monde à voir. Au moment où il y a le lobby, Bazozo à Mongo à l'État, mais taekwondo, paye moi résultat. Ezali. Toko le KTV, tu le bakabo, te mabé. On est comme bah flatté. Mais bien sûr, c'est pour la raison qui est celle que yo soutenir Amos Mbayo. Bon, netinga. Hier, hier, on écoute dans ma bureauté. Bon, netinga, hein, na soutenir Amos Mbayo. À travers un téléphone. Il y a pas de problème. Mais même Bango Batouana, ou le Batiki là-bas au Comité Olympique, balanda qui partout a signé. Qu'est-ce qu'il pose à président? Tant qu'il y a le président, voilà, il faut qu'il y ait un président. Bah, joue Guana, mais. Bisso déjà na Jido. L'urgence est qu'on s'est posé, on n'a pas de choix. Bon, on est obligé. Bon, Bisso de Manajido, tout à l'heure, qui peut pas paramètre Nyoso. Moni Lelo, Taekwondo, les en tête, il y a fédération, il y a comité olympique. Hein? Sur Lelo Baleki. Mais Taekwondo, comme il y a Moussika. Parce que par rapport, il y a Sibit à l'État, il y a un gros Taekwondo, top. Wana, ma côté, on a respecté. Déontologie d'abord, on a idéologie d'abord, parce que bon, on peut baser à bas, taekwondo. Vous comprenez? Bisso Bajidoka, totalement que, avec Batouana, tout tient mousse. Pourquoi? Pour déjà l'axi Bisso Jacques, au moins, par rapport à ma. D'autres côtés, on n'a même pas des ans. À Sololi, na Fédération internationale à judo, ma Pessibiso, ma tatami, ma Pessibiso, ma équipement. Il y a qui peut dire, bien. Présent mousse, à qui Bisso, moi, pourquoi? Tout bendi, ma plan, on a. Non, pour vous rendre hommage à la merci. À Sala et Bélé, Ngaï témoin, les lotis Francis, puis moi la longue, pour y'a qui mot d'ordre, y'a présent à Mosté. Ngaï Mokoyo, pire petit à Francis, tous à la ranaï, pour y'a qui quitté. Et les lotis au beau sanabola, ma Francis, Francis Ayaki na Mboka ou na Jido à Matisaki, y'a mon repère à Bomiango. Par rapport y'a à comment y'a à comment y'a d'agir, tu vas me soutenir, y'a bientôt tant à pas comboter. Mais par contre, président Mos aza humble à yambara téléphone, a ebi ko considéré moutou. Même si on bengi aux yeux, on sort de texte dans la réunion. Bon, appelle-moi le soir, appelle-moi à 13h. Eza moi bien, considération eza moi bien. Parce que ko benga moutou, eza te kage au senga, neti ngav mabou, ilo wana boya na mokili, pour nga na senga na chef de l'État. Ende na zabou na piste, non, maman, livi mbote ya tout le makambou, toi sala pou na jido, grâce nanga. Grâce nanga. Nous avons un problème na Premier ministre au Matata. Na leka na TV na Tongo. Na fundi pas chef de l'État, mais à réagir. Pese biso 30 000 toke Japon. Malgré ba judoka ba kima. Toke sous championnat du Congo na Goma. Mamadou a koufi toi na Goma. Moi et Ozonga ezate. Mamou li vaye. Aiko tonga Notre-Dame ya Goma. Ngai moko na moni Jesus. Azui avion ezong si biso. Et puis, ils ont engagé Ganga. Netinga na kumisa kananga iye parce que na mona gaza marraine ya judo. Parce que alongo na kabiso ba place moko tuza na ba difficulté ya kosaka na te. Neti ba goma na osala ki un mois. Maman avion ezate. Ba tulelo ba beta kamaso ba politisien ba oleka ba lo ba n'importe quoi bazala kuna te biso viva yango. Maman dou mutu nanga. To viva yango. Mais maman iye alongo libiso. Il faut quand même les oleka osala pe quand même reconnaissant. Na kisha sa oyo, na kongo na biso, batu baza bengratro. Batu baza bengratro, baliko ndima batu te. Baliko ndima batu, yango biso. Tundimi na biso ka Amos. Na mabe na ye, na malamu. Mais je ne pense pas que, berero ya salaki, a salango susu. Preuve, azape na bangajima e bele. Mais quand même, lokola nzamba pesa e mwa sagesse mayele. Cette fois-ci, a otike la sou batu anata nsuste. Poto yebi ki a olia bango vite et puis ça na ba misusu yo yebité secrétaire général au sport a ipsa ki bango déjà ki botika
bayokité bokina belection casse abazoma kam na bango. Ben voilà, avant l'intervention du psychologue, je crois qu'on va proposer à nos amis téléspectateurs le reste de l'actualité. On se retrouve tout juste après pour continuer sur cette lancée. Si on a le temps, bien sûr. C'est officiel. L'Angola a accepté d'organiser l'Afrobasket 2017. Mais à condition que FIBA Afrique approuve l'idée que les 10 championnats se déroulent au mois de septembre et non d'août. Car les Angolais ont réservé ces 8e mois de l'année civile pour les élections. Il vaut mieux décaler que de subir les retombées du désistement, comme ce fut le cas avec le Congo-Brazzaville. Les léopards A de la RDC iront en stage à Rabat, au Maroc, sauf modification survenue dans l'entretemps à partir du 25 mai prochain. Hormis la préparation du match de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019, prévu le 10 juin de l'année en cours au stade des Martyrs contre son voisin le Congo-Brazzaville, les présélectionnés s'activeront également pour la double confrontation contre la Tunisie dans le cadre des préliminaires au Mondial de Russie 2018. C'est ce mardi 16 mai que s'ouvrent les hostilités de la phase de poule de la 53e Coupe du Congo de football. Il affiche seulement Akikwit au lieu des deux, car Desempe Bumba jouera pour des raisons organisationnelles son premier match les derniers jours de ses joutes. Qui dit Coupe du Congo dit la prestigieuse compétition nationale qui implique et nécessite l'apport du gouvernorat que le club représente. Mais il est un constat dans notre pays. Cette compétition, puisqu'elle est organisée par la FECOFA, est considérée comme une affaire privée des clubs engagés. Partout ailleurs, cette compétition a une dimension tout autre. Ce sont les autorités politico-administratives qui remettent officiellement les trophées aux vainqueurs. Par exemple, si le président de la République est empêché, il délègue ses pouvoirs. Mais en RDC, l'État ne reconnaît pas ou n'est pas informé de sa dimension. La prise en charge pour ce qui est de la RDC est l'apanage des gouvernorats. En réalité, c'est un concours des provinces. Ne pas soutenir son représentant équivaut à l'abandon et à la dévalorisation de ses gouvernés. Au nom de qui travaillez-vous, cher gouverneur? Ressaisissez-vous pour justifier votre mandat. C'est inadmissible. Après plusieurs matchs de préparation, les FC Renaissance de Kasangoulou ont quitté leur territoire ce dimanche 15 mai pour la ville de Kikwit, où se tiendra la phase de poule de la Coupe du Congo de football. Bien avant le départ, mais c'est Léon Chaco, titeur de cette équipe, s'est entretenu avec ses joueurs et toute la délégation retenue pour ses déplacements. C'est à ce moment aussi qu'il a reçu un don d'équipement pimpant neuf venant de la part de Moussangania Antoine, un des dirigeants de la Grande Renaissance du Congo. Très ému, les joueurs et toute la délégation ont quitté leur fief à bord de ces bus mis à leur disposition tout en lançant des cris de joie. Psychologue, une réaction par rapport à ce que Pichu Loboko a dit tantôt sur Amos Mbayo, qui continue à soutenir. Cette fois-ci, il faut doter des comités olympiques d'un préparateur mental, d'un psychologue, quelqu'un qui doit accompagner les athlètes. Ça, c'est déjà une demande d'emploi. Il a introduit sa foi aux yeux. Je peux le dire parce qu'il n'y en a pas. Mais si Badiachi les passe, vous ne pensez pas qu'il le puisse? Je crois que moi, mon souci est qu'aujourd'hui, que le président Amos arrive à comprendre qu'il est sur un terrain qui peut le permettre de revenir encore parce qu'il a le soutien. Mais qu'il puisse travailler cette fois-ci avec beaucoup de la sagesse, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse avoir un changement, que toutes les critiques qu'on est en train de dire sur lui soient vraiment enlevées. Bon, ils ont des élections. Ils ont élection, sous à l'équipe, mais je ne pense pas. Mais l'élection, ils ont démocratique. Mais oui, parce qu'on a l'obité. On est à vote secret, je crois. Bon, de toutes les façons, et mon anara, est-ce que tu as déjà rencontré la société en Union, sur les bichos, sur les bichos, bon, de toutes les façons, on a eu l'obé la kaka, combo ya, moutouna biso oyo, à soutenir biso, na makambu ya malamu pour que jido ezonga normal et puis l'homme sous na lobe ya motu ya président Amos to ebi ko leka naza sûr au ko leka mais liste na bino bosala wana ya 4 fédérations wana football longolango premier ministre oyino sika obandi pe na musala te mais yebisa ba conseil na yo ya sport
balongola makambu ya 4 fédération wana bazong sa ba fédération nyonso mboka évolue parce que to sali gouvernement et union nationale et puis union nationale on a fait kende ti na ba fédération parce que lelo ba te belé ba ju ba pension pour na au sa entraînement qui est né place mon côté wana za communiquer na ngai na sangaje ka na premier ministre na biso Bruno Tshibala na ba tuna nyonso boyoka et puis na président Amos makambu yo salakite makambu yo za okanisa yangote bosa na yango manda ou koleka ya kana bureau ta par semaine 3 ou 4 ou 5 fois otalika makambu ne zo kende après oleki na yo koza souste batu ba ila komi kana balande la kayote parce que bolingo na yo elinga ke bomisa yo par rapport ya batu na yo poto ye ba ki klik on ezala ki a mo CG na mutu na ye kenzo mais lelo ta la place bokomi ko memana et komi malamu te mais tozo singa pe election wana et qui ne peut moins bango makambu pe banda parce que son comité olympique est dans un conflit sport nyo so pe zo kufa en tout cas bozo ba décision nyo so bo silisa pour que bino bo fongola makambu nyo so ba sport nyo so et respirer parce que l'air bino bozo na ba conflit to kende nil par 2020 awa to za na nani jeux olympiques na Japon na Japon mais ta on a nyo so bo prepara ngoka ce qui bino bozana ba problème parce que biso lelo na Kinshasa ou na Congo ah tozo c'est la biso alors faut bon longla makamone si la déjà avant au lieu tozo ba sanction makase makase ya suzo ko la comité olympique pour sport me koufa bien président ya ko koufa mais na ce qui bino bosse sous ba conflit na bino e ko koufa le susu président Mos to yebi ki na Nzambe au cha loboko o le kana makamboyo mende bongisa makambu nyonso ba fédération nyonso ezongela kozwa tandambu ya mbongo ya l'état pour que bana bazongela sport parce que tala biso lelo to kata ba compétition avant ah jezalan to komaka kolela maman olive tala biso likambo non il est pas censé au tala biso kamba kambo te ala makambu ebele okipe mobali na ye famille na ye donc makambu ebele mais na to lela lela ka ye tandis que ye ayebi ke l'état pesa kambongo moko boye pona ba fédération nyonso alors mutu na mutu azwa tache na ye président zalaka mayele to pesi au courage et puis soutien na biso za total tinasuka to ebike oza nzambe na voilà. J'espère que ce vous a déçu ba kechi ou la kaki ba to boko pesa hein ti ala ba tinya so bozo grimacer wala bozo tukisi la wala loko na sokobi ba journaliste bo luka ba problème na ngo le kabele chape sa ba kechi wala fuzo a président de la république les ans d'élection que les meilleurs gagnent ou ya moniki aza capable ngana ebisho déjà que mutu moko ba pexa ki déjà ke keba alors qu'on a eu quitté, pas qu'il y ait une élection, mais biso candidat, la biso est à Mosmbayo. Et voilà. Tout ça, surtout le bangopé à haute voix. Voilà, merci. À haute et intelligible voix. Puis tu le beaucoup, merci. Merci. Professeur Kamba, merci. Merci. Allez, à tous nos téléspectateurs également, merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous, ce sera le lundi prochain, à la même heure, sur la même chaîne. La grande partie de notre émission sera consacrée à la phase de poule de la Coupe du Congo de football. Ça se déroule dans 3 sites différents et vous aurez certainement les résultats des différents rendez-vous parce que tout démarre ce mardi déjà à travers la République démocratique du Congo. Allez, madame, messieurs, encore une fois de plus, merci à Osé, merci à Mathieu, merci à Charlie, merci à Rabi, merci à Fabien Caloumet et merci à tous ceux qui nous ont permis d'arriver chez vous sans problème. Allez, bonsoir.